Bonjour. Vous avez, je pense, été choqué comme moi par les images de Julian Assange tiré de force par des policiers de Londres de l'ambassade où il était réfugié. Je rappelle qu'il a acquis la citoyenneté équatorienne, qu'une ambassade est un territoire protégé, que la Grande-Bretagne n'a aucun chef d'inculpation contre lui, qu'on a raconté pendant très longtemps que c'était pour une histoire de viol en Suède, mais les poursuites ont été abandonnées en Suède. Et on a appris récemment que le gouvernement britannique et la justice, la hiérarchie de la justice britannique avaient insisté auprès des Suédois pour ne pas dire publiquement qu'ils avaient arrêté leur enquête. Et donc, on a vu ces images très choquantes de quelqu'un qui a été soumis à une torture psychologique. On en avait parlé ici il y a 2 mois avec Victor Dédage dans un précédent Michel Midi. Et donc, de voir ce Julian Assange emmené de force par des policiers britanniques. On a tous remarqué que malgré cette souffrance et le fait d'être pour la première fois exposé là à la lumière du jour, dans un état physique et moral très difficile, il maintenait l'esprit de combat. Et j'ai trouvé important pour vous aider à comprendre les dessous de cette affaire, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas dans les médias qu'on va les trouver, d'interviewer le président Rafael Correa, qui était donc le président de l'Équateur avant Moreno, de 2007 à 2017. Il a effectué toute une série de réformes sociales très importantes. C'était un grand ami de Chavez, d'Evo Morales. Il a évidemment heurté les intérêts des multinationales des États-Unis qui ont tenté un coup d'État contre lui. Et ce n'est donc pas une surprise que les États-Unis aient essayé de récupérer, de prendre en main, faire un coup d'État caché en Équateur. Et on va apprendre aujourd'hui beaucoup de choses sur ce fameux président Moreno. Et les dessous de cette affaire du côté des États-Unis. Ce n'était pas possible d'avoir aujourd'hui Rafael Correa avec moi en direct ici. Donc je suis allé, il vit en Belgique, là, sa femme est belge, il vit en Belgique depuis son retour de l'Équateur. Et nous sommes allés l'interviewer. On a eu des problèmes techniques, des problèmes de son, mais je pense que c'est un document très très important qui vaut la peine et que je vais vous diffuser maintenant. Je vais prendre les questions que vous envoyez pendant que la vidéo est diffusée. J'y répondrai. Je transmettrai à Rafael Correa les questions, les remarques que vous avez et on pourra en rediscuter. Voilà. Je passe maintenant la vidéo. Elle dure une douzaine de minutes et on se retrouve tout de suite après. Rafael Correa, bonjour. Vous avez été président d'Équateur, vous avez accordé l'asile politique à Julian Assange. Comment considérez-vous maintenant son arrestation? Est-ce que c'est légal? C'est tout à fait illégal et c'est terrible. Hein. C'est un attentat contre l'institution même de l'asile. C'est un pilier de la civilisation. Le plus fondamental de l'institution de l'asile, c'est pas rendre les réfugiés à ceux qui les cherchent. C'est dans notre constitution, l'article 41. Donc, Lénine Moreno a cassé tout à fait, Lénine Moreno, détruit, c'est le président actuel de l'Équateur. actuellement le président de l'Équateur. Il a cassé le droit international, il a cassé les principes de l'asile, il a cassé la constitution de l'Équateur et surtout, il a cassé les droits de l'homme, les droits de Julian Assange et la réputation de l'Équateur. Vous imaginez si les polices de tous les parties du monde, de tous les pays du monde, commencent à entrer dans des ambassades? C'est incroyable. C'est contre la Convention de Vienne, c'est contre la constitution de l'Équateur, c'est contre la souveraineté de l'Équateur. Et comment expliquer cette trahison? C'est vraiment Il est fou. Il a, dès le début, il était un traître. Il a condamné Julian Assange, il a offert Julian Assange aux Américains. Mais quand il a perdu la tête, c'est quand Wikileaks, il y a quelques jours, à la fin de mars, ils ont publié un scandale de corruption très grave contre Moreno. Moreno va finir en prison, il est corrompu. Et ça s'appelle INA Papers. Ça s'appelle auprès de ses filles, Irina, Karina, Cristina. Pour ça, la société s'appelle INA.
On a les sociétés offshore qu'il a créées avec son frère en 2012. En 2012, paradis, quand il était encore votre vice-président. Et quand on luttait contre les offshore et contre les paradis fiscaux, ça a été 2017, un référendum pour interdire les servants publics d'avoir des opérations avec des entreprises offshore. Donc Moreno est un président illégal maintenant, il devrait être destitué. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ce n'est pas seulement ça, ça c'est le moindre des problèmes. Oui. Donc, cette entreprise a ouvert un compte secret au oui, Panama. Le numéro là. Encore autre paradis à Panama. Fiscal, on dit, non? Oui, paradis fiscal. Oui. Paradis fiscal. C'est la compte 104-10-71-3-78 In Investment Corp. Balboa Bank Panama. La Balboa, fait... elle a eu des problèmes justement. Ah oui, elle a été pour démasquée. L'enrichissement d'argent. Il était fermé, il était acheté pour les banques de Costa Rica, mais on peut ouvrir la compte encore. C'est clair que de là-bas, ils ont payé des choses pour Moreno. Par exemple, oui. Ici, c'est la facture pour l'achat des meubles. Oui, à Genève. Donc c'est un président pour les pauvres, mais il vit dans le luxe. Mais pas seulement ça. Hein. Il a acheté aussi, il a même acheté un département à la côte méditerranée. Oui. C'est ici. Alicante. Emilio Torres, Alicante. Emilio Torres, c'est son frère, c'est le partenaire de son beau-fils, ils sont très proches. Donc, ici, c'est les preuves qu'ils ont payé avec les comptes de Ininvestment. Oui. Tout ça, c'est pour Moreno. Quand on a commencé à faire l'investigation sur ça, encore, dans mon c'est gouvernement. C'est votre gouvernement parce qui qu'on a découvert fait des que un monsieur, Conto Patiño, très proche de lui, de Moreno, a reçu plus de 18 millions de dollars d'une entreprise chinoise qui a gagné un contrat très important. On a découvert qu'il n'a pas déclaré les 18 millions, parce que c'est la corruption, c'est pas devant. Il a déposé cet argent dans un autre compte, Recorsa, en Panama. Donc, quand on a commencé l'investigation, le frère de Lénine Moreno a dit, « Envoyez une lettre, sortez-moi, cachez mon nom. » Il ne faut pas montrer mon nom. On a changé le nom du compte. Le nom de responsable de la compte. Ils ont mis comme responsable Marisilora Patiño. Marisilora Patiño, c'est la fille de Conto Patiño. C'est lui qui a reçu les 18 millions et qui est très ami de Lénine Moreno. Et sí, Marisilora Patiño, avec son mari. Donc ici, c'est Moreno Macías, le président. Avec Moreno, sa femme, en Venise. Ils ont fait un tour par l'Europe. Ils sont très proches. C'est mafia Donc, business. C'est une organisation criminelle. Maintenant, ça jette une lumière nouvelle très intéressante sur ce qui se passait en Amérique latine, parce que pendant les années de votre présidence, vous avez essayé de faire des choses pour le peuple, et tout d'un coup, votre successeur, en principe on se dit ça va continuer, puis tout d'un coup votre successeur il fait le contraire, il prend un ministre d'extrême droite, il fait une politique tout à fait avec Washington, ça veut dire que... au Venezuela, ils font la violence de l'opposition et un coup d'État illégal. Au Brésil, ils font un coup d'État juridique pour destituer Dilma Rousseff et envoyer Lula en prison. Et donc, les États-Unis, ici, ils emploient encore une autre méthode. Écoute, c'est ma responsabilité. J'ai appuyé ces traîtres, ces corrompus pour être président. Donc, je dois demander le pardon, si vous voulez, du peuple équatorien. Mais bien sûr, j'ai été trahi aussi. Je ne savais pas tout ça. Mais c'est clair que les États-Unis ont un double standard. Est-ce que dans les Panama Papers, toute cette affaire-là, vous avez vu quelqu'un de la Venezuela? Mais c'est Venezuela la corruption. Mais nous, ici, on a tous les frères. Ils ne font absolument rien. Ils continuent à utiliser Lénine Moreno pour déstabiliser la région, pour isoler Venezuela, pour faire la persécution contre les leaders de gauche, etc. Et c'est clair qu'on a tous les preuves, on a la compte secrète, on a tout. C'est très clair qu'il est tout à fait incorrompu. Donc c'est le double standard des États-Unis. Aux États-Unis, on dit que la Russie, ça fait une ingérence dans les élections et que c'est interdit, mais les États-Unis, eux, ils font des élections, des ingérences dans tous les pays. Partout. Et partout, et c'est clair que c'est quelque chose, même si ça ne serait pas si tragique que ça, ça serait même comique. Oui. Parce que l'aide humanitaire à Venezuela, 20 millions de dollars. Mais les blocus, ça coûte 20 000 millions de dollars par année à Venezuela. Donc, c'est la contradiction. On est dans l'hypocrisie. Ah non, on cherche la démocratie. On va assumer qu'ils ont raison. Que Maduro a mis en prison les opposants pour gagner les élections.
C'est pas exactement la même chose qui est arrivée en Brésil. Lula en prison pour ne pas les laisser participer et à cause de ça, Bolsonaro a gagné. Parce que si Lula était candidat, Lula serait le président du Brésil. On a volé la liberté à Lula et on a volé la démocratie au Brésil. Et le juge a mis en prison à Lula, maintenant il est un ministre, il est parti du cabinet de Bolsonaro. Mais là-bas, on ne dit rien. Donc c'est le double standard, la double morale. Essayez d'imaginer si des choses comme ça arrivaient chez nous. Par exemple, avoir quelqu'un cette année dans une ambassade dans nos pays et ne pas les laisser partir. On serait déjà envahi. Par un instant, imaginez-vous si Julian Assange révélait des secrets des États-Unis, mais des secrets de la Chine, de la Russie. Il aura déjà un monument à la place de Bruxelles. En Équateur, dans l'Amérique latine, on serait des criminels. Mais, comme c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis. Au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi, mais pas seulement ça. J'ai dit plusieurs fois que Julian Assange était condamné. On connaît déjà maintenant. Ce n'est pas des opinions. On a les preuves, il y a les témoignages aux États-Unis, que la première semaine de la présidence du gouvernement de Lénine Moreno, il a reçu Paul Manafort, l'ancien chef de campagne de Donald Trump. Il a offert à Paul Manafort rendre aux États-Unis à Julian Assange, mais pour recevoir du soutien financier des États-Unis. Effectivement, il a reçu le soutien financier des fonds monétaires. Ça veut dire qu'on a acheté l'État d'Équateur. Pour des gens sans scrupules comme Lénine Moreno, Julian Assange était une marchandise. Il a dit qu'il était une pierre dans les zapatos, qu'il était un problème. La vie d'un homme, les droits de l'homme de Julian Assange étaient un problème quand même. Ce qu'on reproche à Assange, c'est d'avoir révélé des crimes très graves, des crimes commis dans les guerres, des crimes commis pour renverser des États étrangers avec de l'ingérence, des crimes des prisons de la CIA. Assange a révélé tout ça et les criminels, ils sont au pouvoir ou ils ont une retraite bien tranquille. Et celui qui a lancé l'alerte, lui, on veut le mettre en prison et le torturer. Mais pas seulement ça, Michel. Ceux qui ont lancé l'alerte, c'est les journaux, les médias. New York Times, El País, The Guardian. Assange a fourni l'information. Mais ceux qui ont publié l'information, c'est les journaux. Pourquoi ils ne poursuivent pas les journaux? Parce qu'ils essaient de faire un effet de démonstration avec les plus faibles. Regardez qu'est-ce qui va passer si quelqu'un ose, dans le futur, révéler les crimes de guerre des États-Unis. C'est une menace pour tous les journalistes dans le monde. Mais comme les grands journaux sont du même, si vous voulez, milieu, le même, on dit en espagnol, argolla, les grands capitales, les grands nationales, etc., ne font rien contre les journaux. Quand on a décidé, on a accordé l'asile pour Julian Assange, c'est pas parce qu'on était tout à fait d'accord avec lui. Moi, en fait, je ne partage pas toutes les choses que fait Julian Assange, que fait Wikileaks. On a étudié pendant 2 mois le dossier Assange. Il est entré dans notre ambassade, June, et on a accordé l'asile août. Donc, on a étudié pendant 2 mois. Et on a décidé l'asile parce qu'il y avait un danger réel contre les droits de Julian Assange. Et un danger aussi contre la vie de Julian Assange, parce que les American Falcons, American Hawks, voulaient juger Julian Assange dans le cadre d'une loi qui impliquait la peine de mort. Et la peine de mort, c'est contre les droits de l'homme, contre les droits interaméricains et contre la constitution de l'Équateur. C'est pour ça qu'on a accordé l'asile à Julian Assange. Est-ce qu'il va être aux mains de la CIA? Est-ce qu'on va le mettre dans des prisons secrètes et des techniques de torture psychologique, comme empêcher de dormir, tout ça, pour casser le moral? Je ne connais pas, mais au moins, Manning, Chelsea Manning, il est ou elle est isolée maintenant. Donc c'est une façon de torturer quelqu'un. Est-ce que ceci est une façon de dire révéler les crimes des États-Unis, ça vous mènera en prison et même à la torture, bien et donc sûr, vous devez... Sûr. Ça, on appelle en espagnol, je ne sais pas si c'est la même expression en français, effecto démonstration. Oui. Montrer qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un... Faire un exemple. Oui, faire un exemple. Mais en tout cas, ok, Julian Assange a cassé les lois, il faut le punir, mais finalement, il a révélé des crimes de guerre. Et les criminels de guerre, qui va les juger? La hypocrisie, c'est incroyable, vraiment incroyable. Est-ce que les citoyens peuvent faire quelque chose? Bien sûr. Je suis convaincu que c'est un peu contraire à la théorie marxiste, non, que
la révolution ouvrière, etc., que le changement pour un ordre mondial qui n'est pas seulement injuste, est vraiment immoral. Tout est en fonction de l'intérêt des plus forts. Il n'y a pas de la justice. Ce changement seulement peut venir des citoyens du premier monde, avec l'indignation des citoyens du premier monde. Les gilets jaunes, les indignés, ça doit continuer, ça doit grandir si on veut vraiment un changement à niveau mondial. Il y a beaucoup de mouvements sociaux en Europe. Il y a une révolte contre l'injustice riche-pauvre, mais on doit bien voir qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements contre la guerre, contre les coups d'État en Amérique latine ou en Afrique, et que la solidarité contre l'impérialisme au Vietnam et tout ça, on a un peu perdu. Oui, ça c'est vrai. L'Amérique latine n'est pas visible ici en Europe, maintenant, sauf Espagne et Portugal peut-être. Donc, mais au moins, les gens sont en train de se rebeller contre le capital, contre l'injustice dans le pays. Donc, c'est déjà important. Mais en tout cas, il doit penser aussi au reste du monde. Les gens doivent savoir quoi cibler et où se trouve le problème. Par exemple, les médias. Tous les médias appartiennent, tous les grands médias, les grandes corporations médiatiques appartiennent au grand capital. On est sous l'empire du capital, je l'appelle ça l'empire du capital. Donc les gens ne remarquent pas ça. Ils connaissent que quelque chose ne marche plus. Donc il y a trop d'inégalités, peut-être. Et les gouvernements font n'importe quoi. Et la démocratie ne marche pas. Ils ne reconnaissent pas. Pourquoi ça arrive? C'est parce que c'est pas, on n'a plus de démocratie. C'est pas les gens, le peuple qui ordonne. C'est le capital et les corporations médiatiques qui appartiennent au grand capital. Oui, donc il y a de la méfiance, mais pas, il n'y a pas les infos, il n'y a pas assez l'analyse des causes. Vous ne pouvez pas avoir de véritable démocratie sans formation. L'Europe a des formations, dans l'Amérique latine on n'a pas de formation parce que l'éducation est très mauvaise, et sans information. Bien. Et vous avez maintenant de très mauvaises informations. Vous avez de la manipulation. Donc les gens doivent connaître ça pour savoir contre quoi lutter. Bien. Il faut avoir de nouveaux médias, des médias vraiment qui suivent les devoirs sacrés d'informer les gens. Bien, mais Raphaël, je pense que c'est la meilleure conclusion. C'est le travail d'investigation d'ailleurs, de la bataille de l'information. Donc nous, on va diffuser toutes ces informations sur Moreno, sur la corruption, sur les manœuvres des États-Unis et sur la lâcheté, la complicité de l'Europe qui viole les droits humains par rapport à Julian Assange. Et on va aider avec nos petits moyens, mais en appelant le public à se battre pour Julian Assange, pour les peuples d'Équateur, du Venezuela, pour la liberté des peuples. Et pour la véritable démocratie, ici, en Europe même. Merci, gracias. Je vous en prie. Voilà, je reviens avec vous. Julian Assange était très conscient, quand il a commencé son travail, du danger qu'il courait, du risque. Il avait clairement fait comprendre qu'il risquait d'être aux mains de la CIA, et ça ne l'a pas arrêté. Il s'est battu pour nous, et je pense que c'est un héros des temps modernes, c'est un héros de la bataille pour l'information. Je pense que les médias parlent de lui en le diabolisant ou en détournant l'attention sur des questions secondaires. Et je trouve que c'est assez honteux la façon dont les médias, d'abord, ont étouffé le véritable apport de Wikileaks. Parce que le problème, c'est que Wikileaks, en fait, a fait le travail que les médias n'ont pas fait. Il a révélé les crimes de guerre, il a révélé les secrets. Il a montré que tout ce que les dirigeants des États-Unis et de l'Occident en général disaient à la télé, dans les médias, était faux et qu'il fallait aller en coulisses pour regarder ce que vraiment ils pensaient et ce que vraiment ils faisaient. Donc je crois qu'il y a... c'est assez honteux ce que les médias ont fait. Et ce matin, j'ai lu une déclaration très courageuse de Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, il n'est pas toujours d'accord avec moi, mais je crois que c'est quelqu'un de très courageux et de respectable. Il a dit ceci: si Julian Assange avait été russe ou chinois, ses dérives personnelles n'auraient pas été évoquées, seul son combat pour l'information et la transparence aurait été célébré
il serait traité comme un héros par les Occidentaux. Et pour le diaboliser, on a utilisé toutes sortes de choses sur sa vie personnelle, ça on en a déjà parlé. Et aussi le grand argument récent, c'est il roule pour Trump, il roule pour la Russie. Ça, c'est complètement à côté de la plaque parce que, en fait, les deux candidats aux États-Unis et d'une manière générale, ceux qui se présentent, sont tous des corrompus. Il y a de la corruption des deux côtés, donc il ne faut pas dire à cause d'Assange, c'est Poutine qui a gagné l'élection aux États-Unis. Non, c'est Clinton qui a perdu pour une campagne stupide, pour une, elle a pour avoir étalé son cynisme et son indifférence, son arrogance. Et en fait, Clinton, elle a été pas, c'est pas à cause d'Assange qu'elle a perdu. C'est à cause de la crise profonde et du fait que les États-Unis en avaient marre de la politique suivie sous Obama, les citoyens en avaient marre de voir s'appauvrir et les riches s'enrichir, et donc Clinton a été le symbole de ça. Assange a d'ailleurs déclaré que s'il y avait eu des documents, si on leur avait envoyé des documents sur Trump, il les aurait bien sûr balancés aussi. En fait, je pense que qui a aidé Trump, c'est les médias. Les médias, pendant 2 ans, nous ont bassinés avec cette histoire du Russia Gate, oui, c'est Poutine et les manœuvres, etc., qui l'a fait triompher. Maintenant, cette théorie du complot, excusez-moi, se dégonfle. Le procureur Mueller s'en est vite sur ce plan-là. Il a dévoilé des petites corruptions autour de Trump, comme il y en a au moins aussi grandes autour de Hillary Clinton. Et donc, avec cette théorie du complot, ils ont fait le jeu de Trump et ils vont l'aider à se faire réélire en 2020. Sur Hillary Clinton, que certains aux États-Unis appellent Killary Clinton, je vais rappeler ce que j'ai publié dans le livre USA, les 100 pires citations, dans lesquelles ceux qui me suivent savent que j'ai essayé de vous rassembler toute une série d'armes justement pour lutter contre les accusations de complotisme, c'est-à-dire des citations des présidents et des responsables des États-Unis qui disent eux-mêmes les crimes qu'ils font et comment ils manipulent l'opinion publique. Et en 2009, Hillary Clinton avait déclaré, je cite, « Al-Qaïda que nous combattons aujourd'hui, nous les avons financés il y a 20 ans. » dans la lutte contre l'Union soviétique. Ce n'était pas un mauvais investissement, nous devons accepter la responsabilité d'y avoir contribué. Et donc, c'est scandaleux, c'est cynique. Les médias ne parlent pas de ça, ne parlent pas d'une autre citation que j'ai mise dans ce livre de Michael Flynn, le chef des responsables des services de renseignement de l'armée, qui a déclaré, je cite, si le public américain avait accès aux flux de renseignements que nous avons transmis quotidiennement au niveau le plus sensible, il exploserait de rage. Il exploserait de rage. J'ai eu l'impression que l'administration Obama ne voulait tout simplement pas entendre la vérité. Et il parle de ça, du fait que sous Obama, sous Clinton et puis sous Kerry, les États-Unis ont continué à soutenir les terroristes de Daesh. Donc, si on avait des médias qui font leur travail, c'est de ça qu'on parlerait et absolument pas des défauts supposés ou réels de Julian Assange. On est dans quelque chose d'hallucinant. Les criminels de guerre sont toujours au pouvoir ou dans une retraite dorée, tranquille, avec l'estimation générale. Et celui qui a osé dénoncer les criminels de guerre, c'est celui-là qu'on torture, c'est celui-là qu'on met en prison. Je suis vraiment scandalisé. Je pense que tous les gens qui réfléchissent 2 minutes à la question sont scandalisés sur cette manière de inverser l'agresseur et l'agressé, de faire passer l'agressé, la victime, pour le coupable. Et donc, je crois que les informations que Rafael Correa nous a fournies dans cette vidéo, ici, vous le voyez célébrant sa victoire électorale avec à ses côtés Moreno, son vice-président élu. Et j'étais très touché quand il m'a dit dans cette interview, je dois demander au peuple équatorien pardon d'avoir choisi ce Moreno, un traître, comme président. Je ne pouvais pas le savoir, j'étais trompé moi aussi.
Et effectivement, Moreno, c'est un corrompu total. Il a fait, avec l'aide des États-Unis, une campagne contre Correa en disant que maintenant on va lutter contre la corruption. C'est le chef des corrompus en Équateur. Vous l'avez entendu, 18,3 millions de dollars sur son compte, villa à Genève, appartement sur à Alicante et sur la Méditerranée, et tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc ça, c'est important parce que ce que Correa nous montre, c'est qu'ici, on a encore une autre forme de contre-révolution et de regime change des États-Unis. Au Brésil, ils ont destitué, ils ont fait un coup d'État juridique avec des juges corrompus qui ont destitué Dilma Rousseff, qui ont envoyé Lula en prison. Tout le monde savait que s'il se présentait, il gagnait. Et donc maintenant, on a ramassé un fasciste à la place. En Argentine aussi, on a renversé le pouvoir qui était beaucoup plus populaire. Au Venezuela, on sabote l'économie, on fait des coups d'État, on dit ah, maintenant j'ai décidé que c'est celui-là qui va être le président, la marionnette Guaido. Et ici, en Équateur, on a encore autre chose. On a ce Moreno, le chef des corrompus, qui manifestement a été infiltré par les États-Unis pour saboter de l'intérieur le pouvoir révolutionnaire qu'il y avait en Équateur. Et donc, on montre que les États-Unis, bon, ils sont malins, ils sont créatifs, ils inventent chaque fois des nouvelles méthodes. Et ici, ce corrompu que vous voyez à l'image, là, on ne va pas en parler de ça dans les médias. Est-ce que vous avez vu le scandale de corruption de Moreno? Non, on ne va pas dire quelles sont ses motivations. Je crois que de cette manière-là, les États-Unis et la CIA tiennent beaucoup de gens en main. Comment est-ce qu'on peut faire pression sur un président ou un ministre élu? Il peut y avoir le chantage, parce qu'il a des choses pas très correctes dans sa vie privée. Il peut y avoir les menaces et les intimidations. Et il peut y avoir la corruption. Et ici, je suis convaincu que Moreno, effectivement, on lui a rempli les poches et puis on lui fait du chantage. Et donc, c'est de ça qu'on devrait parler dans nos médias sur la manière dont les États-Unis s'y prennent pour renverser les révolutions sociales et populaires en Amérique latine. Donc voilà, un jour, on va. Julian Assange sera dans les manuels de l'histoire, parce que c'est vraiment un héros de la bataille de l'information. Donc la question, c'est de savoir si il sera dans les manuels d'histoire comme la victime assassinée ou assassinée à un petit feu. Il y a quelqu'un de vous qui a dit pendant le film que s'ils veulent, je cite Axel, disait, s'ils veulent vraiment faire d'Assange un exemple pour apeurer le peuple, ils en feront un martyr et je pense que ça va leur retomber dessus. Je pense pas personnellement qu'ils vont l'assassiner rapidement, je pense qu'ils vont le torturer et essayer de le rendre fou comme ils ont déjà commencé et qu'ils vont faire ça à petit feu. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir ou non? Ça dépend de nous, ça dépend de notre réaction. La dernière question que j'ai posée à Rafael Correa, c'était est-ce que les citoyens peuvent faire quelque chose? Il a répondu oui, absolument, tout de suite. Il a souligné le rôle des citoyens pour l'information, le rôle des citoyens ici en Europe et aux États-Unis. Et il a expliqué, sans infos correctes, il n'y a pas de démocratie. Donc ça, c'est en plein dans la devise, je vais dire, le mot d'ordre d'Investigation, sans info correcte, il n'y a pas de démocratie. Et donc, je vais conclure cette émission. Je regarde un instant si vous avez encore des questions récentes à partir de oui, Catherine qui fait remarquer, les gilets jaunes roulent pour Poutine aussi, il a bon dos cet homme, voilà. C'est vrai, il faudrait réfléchir à faire le catalogue de toutes les excuses et des diversions qu'on est en train de lancer et qui resservent toujours sur les mêmes. Moi aussi, je roule pour Poutine, bien entendu. Donc, tous les gens qui posent des questions gênantes roulent pour Poutine. Il faut absolument que dans notre travail d'information et de débat, on arrive à faire comprendre aux gens qu'on se moque d'eux. Voilà, vous avez d'autres commentaires. Dina demande, c'est quoi l'histoire de viol et SVP avec Assange? Car j'ai pas compris. Bien, il a été accusé d'avoir violé une jeune femme en Suède. Il y a eu une enquête. Et en fait, j'ai abordé cette question, toutes les questions qui se portent sur Assange, dans un Michel Midi spécial Assange avec Victor Dédage, l'animateur du site Le Grand Soir.
Et je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire de près, d'aller revoir cet entretien avec Victor, qui était formidable et qui a vraiment bien répondu à toutes les questions et à toutes les informations là-dessus. Donc, on va conclure. Dans Investig Action, il y a action. L'action, c'est vous. Et ce qui est proposé maintenant, c'est déjà de, si vous êtes à Paris, participer demain 17 avril à 18h30 à la manifestation organisée par un comité à l'initiative de Victor Dédage et du Grand Soir. C'est à l'ambassade de Grande-Bretagne, 35 rue du Faubourg Saint-Honoré à 18h30. Je pense que la Grande-Bretagne le mérite particulièrement parce que, comme le dit Correa, elle viole la charte de l'ONU, elle viole les conventions des droits de l'homme sur la protection des ambassades et le droit d'asile des réfugiés, et c'est clairement un réfugié politique. Elle viole les résolutions actuelles de l'ONU. Elle viole, bon, c'est l'intimidation totale. On va prendre n'importe quel journaliste dans n'importe quel pays et l'extrader vers les États-Unis, même s'il n'a rien à voir avec les États-Unis. Donc, on est vraiment, ils sont en train de se démasquer de manière totale. Il faut absolument arrêter ça. Donc, à Paris, vous avez cette manifestation mercredi 17 avril, et il y en aura encore d'autres. Vous avez vu l'adresse tout en bas pour avoir les infos et les contacts. assange@legrandsoir.info. Très bien. À Bruxelles, j'ai participé hier à une manifestation aussi devant l'ambassade de Grande-Bretagne. C'est pas mal, il y avait pas mal de monde. Ils ont décidé de revenir tous les lundis à l'ambassade de Grande-Bretagne vers 17h. C'est 10 avenue d'Auderghem, c'est près de Schuman et de l'Union européenne, qui est tout à fait complice des États-Unis là-dessus. Il y a un comité en Belgique qui s'est créé, je vais vous afficher pardon, son adresse mail, free.assange.belgium@gmail.com. Ils vont évidemment organiser des actions, des campagnes de sensibilisation. Je rappelle que toujours dans la médiabolisation, on a le 4 mai un grand débat à Paris avec l'équipe d'Investigation Paris. J'interrogerai Étienne Chouard, Robert Charvin, Priscilla Ludowski, François Bouleau. Il y aura des ateliers participatifs avec Philippe Pascaud, Laurent Doré sur la médiabolisation, justement. Il y aura votre témoignage en vidéo. Il y aura une expo photo. Et donc, vous pouvez envoyer, en écrivant à michel-midi@investigation.net, vous pouvez envoyer vos propositions de photos, de vidéos, vos questions pour aider l'équipe. Je pense que, pour conclure, cette bataille de l'information, elle passe par Julian Assange. Je pense que si on le laisse tomber, ça veut dire qu'on capitule, ça veut dire qu'on dit aux États-Unis et à leurs complices, à l'Élysée et ailleurs, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel lanceur d'alerte, le torturer, l'assassiner à petit feu, on va vous laisser faire. Donc, c'est vraiment fondamental de se battre pour Julian, c'est se battre pour nous tous, c'est se battre pour le droit à l'information, se battre pour le droit de ne pas être manipulé par des gens qui assassinent avec notre argent et utilisent le terrorisme dans le monde entier pour assouvir les intérêts de leurs grandes multinationales. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi, malgré les petits couacs techniques, cette émission. Je compte sur vous. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre Michel Midi. Au revoir.